Alors, bonjour à tous, nous sommes partis. Bonjour. Bonjour Claudine. C'est pas chaud. C'est pas chaud ce matin. Bonjour Serge. Salut. T'as dormi? Ah oui, bien, après les bonnes actions d'hier, ça va tout. Ah oui, c'est vrai qu'hier nous avons fait une bonne action, j'en ai pas parlé. Nous avons trouvé un chien et une chienne plutôt. Et nous avons retrouvé son maître, donc tout s'est bien terminé. Et puis une autre personne qui était en difficulté, il n'avait pas de téléphone. Et donc Serge, hier, c'était un... Bon, on a tous participé d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors, je vais passer à Marie-Noël. Tu as bien passé, tu as bien dormi? J'ai très bien dormi. Ah, super. Bonne journée à vous. Voilà. Coucou à tous. Voilà, voici donc bonne nuit. Notre ami Pascal. Voilà. On a un peu de brouillard. Voilà, il connaît tous les réponses. Et le réseau est difficile à passer pour envoyer des photos ce matin. Ouais, donc si vous n'avez pas de photos, ne vous étonnez pas. Voilà. Il y aura... Tout va bien. Tout va bien. Et nous arriverons bientôt à la fin. Eh ouais, c'est déjà la dernière semaine. Dernière semaine. Ça fait drôle. Ouais, c'est vrai que c'est... C'est la fin. C'est particulier. Hein. On voudrait que ça continue. Ouais. Bon, on sera bien content d'arrêter, mais je crois quand même que ça va faire... Bien. Ouais, ça va faire drôle quand même d'arrêter. Ouais. Déjà, quand on voit les panneaux Saint-Raphaël, Fréjus, ça fait quelque chose quand même. Hein. Ouais, ouais. Hein. Donc... Rentre. Voilà. On vous souhaite tous nombreux à l'arrivée. Hein. Pascal et moi, c'est notre rêve, c'est d'avoir des milliers de personnes de chaque côté du trottoir. On rappellera encore les horaires et les points de passage. Oui, voilà. Oui, on va essayer de travailler. Le passage aux arènes et au pont de Bourg. Voilà. Déjà, oui, à ces passages-là, ça serait déjà bien. Il faut qu'on travaille un peu sur le sujet. Et voilà, bon, on a encore 3 jours, 4 jours, quoi que vous. Bon, mais pas trop traîner. Voilà. Alors, je vais aller voir mon ami Patrick. Il est habillé comme un cowboy. Oui, il est déjà parti assez loin. J'ai du mal à le rattraper déjà le matin. Oui. Voilà, bonjour Patrick, tu as bien dormi? Non, j'ai pas bien dormi du tout, j'ai dormi avec Francis, il a pris toute la place dans le lit, il a bougé toute la nuit, je dors plus avec lui, c'est fini. non, j'ai très bien dormi. Il a préparé son texte, je crois. J'ai très bien dormi, Francisco. Oui. Patrick, c'est une personne exceptionnelle, il est toujours en train de donner l'ambiance dans l'équipe. Voilà. Allez, bah, écoute, merci Francisco. Allez. Une bonne journée à tout le monde. Allez, une bonne journée à toi et bonne marche. Merci.
Alors nous longeons la nationale 7. Heureusement il y a une piste cyclable parce que sinon ce serait une étape complètement très difficile avec le bruit surtout. Mais sinon la beauté du paysage reste quand même magnifique. Regardez ce que je peux voir. Donc, on a la piste cyclable avec les voitures. Mais on a quand même un beau spectacle avec montagne de Sainte-Victoire. Et c'est ça qui est réconfortant. Alors vous ne trouvez pas que ça ressemble un petit peu à une maison de fées? Je vais vous faire voir. C'est mignon, hein. Alors Pascal Lyonnais ne rate pas une seule occasion de parler de la fondation. Et voilà, c'est comme ça que ça marche tout le long du chemin. Patrick, oui. Qui nous a chanté, comment elle s'appelle déjà, maman, c'est toi ta maman? Oui, je t'en prie, ouais. Oui, je t'en prie. Merci, Tonton François. C'était quoi déjà, Patrick? Oui, je t'en prie. Oui, je t'en prie, Lélu, c'est important. Ah, oui, voilà. Le téléphone pleure. Non, c'est toi ma maman. Non, c'est pas moi. Bon voilà, nous sommes enfin sortis de cette nationale pour prendre des petites routes bien plus agréables et bien plus jolies. Voilà, je reprends. C'est parce que qui dit petite route dit tranquillité. Et 10 voitures aussi, hein, bien sûr, ça sort de partout. Donc, alors regardez, donc voir la vue que nous avons d'ici. Voilà, c'est magnifique, hein. Avec la petite ville de Fourrières là-bas, sur la gauche, ça doit être plus oublié, mais on ne voit pas, c'est derrière les arbres. Et voilà, on en prend plein la vue, plein les yeux. Et on est bien content de marcher dans cette petite route de la Provence.
Qu'est-ce que tu disais? Vous êtes arrivé dans le Gard, dans le Var. Ah, nous sommes dans le Var. Tu es dans le Var, je vous prends une photo. Eh ben écoute, tu nous prends une petite photo. Voilà, regarde. Allez. Ah oui, Eh ben voilà, nous avons arrosé notre passage au Var. Et félicitations à tout le monde d'être arrivé dans le Var. Principalement à mon Pascalou, hein, qui m'a... Bon, je ne vais pas aller plus loin, sinon je vais me mettre à pleurer. Et surtout, qui m'a aidé jusqu'au bout. Merci de nous avoir fait partager ton, voilà, ton projet. Ah ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci de m'avoir accompagné. À l'aller comme au retour. Voilà. Et maintenant, en avant toutes. Allez, c'est parti. Allez. Ah. Oui. Disais. Attends, je vais l'arrêter. Vas-y. En Espagne, oui. Ils n'aiment pas trop le bivouac, hein? Non, en principe, non. Mais tu n'as pas, pas eu de problème, hein? Non. T'as pas de problème, tu fais ta chose. Thank you.